Tous les territoires de Tshilenyi en parlent. Le député national Freddy Tshibang-Kabula est venu à la rescousse des candidats finalistes à manque de moyens pour payer les frais des participations aux examens d'État dans son fief électoral. Le lieu de Tshilenyi a réglé les cas des insolvables à travers ses émissaires qui ont fait la ronde des quelques centres de passation des examens d'État. Cette équipe des émissaires est composée de deux personnes, Richard Mukendi et Emmanuel Tshibangu, respectivement comme assistants et financiers. Ici, nous sommes au centre de passation de ces épreuves nationales à l'Institut Kabikoni, situé au centre de Tshilenyi. Profondément touché par ces gestes du député national Freddy Tshibang-Kabula, l'inspecteur principal provincial de l'EPST a dit toute sa satisfaction. Il demande à l'élu national de continuer avec ses gestes de bienfaisance. Je suis vraiment ébahi par cette visite. En tant que superviseur provincial, je ne m'attendais pas à un geste sociable d'amour généreux que l'honorable Freddy Tshibang-Kabunda vient de faire à l'endroit des enfants insolvables de ce centre ici. J'en suis vraiment fier. C'est pourquoi je me permets, peut-être au nom des autorités provinciales, de le remercier très sincèrement de tout mon cœur pour le geste qu'il vient de faire à l'endroit de ses familles indigentes. Je lui demande de continuer avec des actes généreux tels qu'il vient de le faire pour aider nos familles qui se trouvent en pareille situation. La même opération a été réalisée dans un autre centre au sein de l'école lycée Sankai. L'un des bénéficiaires de cette faveur s'est exprimé et a remercié le député national Freddy Tshibang-Kabula. Cette ronde s'est clôturée à Lukalaba, où les émissaires se sont rendus au même moment dans deux centres, Epe Lukalaba et Epe Benampunga, situés au même endroit. Par exemple, dans le troisième centre, il y a deux centres, six centres, un centre B. Non, là, on est très joyeux de ce qu'il a fait. Il a fait un effet un peu très joyeux à tout le monde. Et il a aidé aussi. Mais ce n'est pas parmi ceux qu'il a aidé là, il a aidé même les orphelins. Là, Dieu pourra un peu lui apporter quelques jours parmi ceux-là comme les jours de sa vie. De continuer quand même à faire encore pour les autres. Et quand il va aussi se postuler, on va aussi lui voter. Merci. À l'issue de cette opération de paye, l'inspecteur chef des poules a témoigné sa gratitude à l'endroit du député national pour avoir permis à certains candidats finalistes de présenter les examens grâce à sa bonne volonté. Le remerciement, de façon qu'il est venu quand même alléger quand même la charge aux indigents. Merci. Merci beaucoup. Rappelons qu'au cours de cette opération menée pendant des jours, du 19 au 20 juillet, plus de 150 candidats finalistes en manque de frais de participation ont été sauvés par le député national Freddy Tshibang-Kabula après avoir payé leurs frais de participation aux examens d'État.